En 1657, les jansénistes sortent l'artillerie lourde, un certain Blaise Pascal et ses lettres provinciales. Alors, à quoi va servir Blaise Pascal? Il va porter le fer hors du Parlement et de l'université. C'est-à-dire que les arguments contre les jésuites tournent un peu en rond. C'est l'université, le Parlement, et voilà, ça tourne en rond. Là, ils disent, on va essayer d'atteindre le public. Le concept d'opinion publique n'existe pas encore, mais ça se prépare, Et là, pour atteindre le public, on va demander à Blaise Pascal, qui n'est ni du Parlement ni de l'université. Alors, ce personnage était quand même un triste sire. Moi, je ne sais pas si vous lui auriez confié votre petit frère, mais sa sœur disait de lui qu'il lui demandait d'arrêter de faire des bisous et des caresses à ses enfants parce que ça leur donnait une mauvaise... Ça ne pouvait que leur nuire. C'est-à-dire qu'il ne supportait pas que des parents fassent des bisous à leurs enfants. Il ne supportait pas. Et comme il était très malade, il a dit un jour qu'il remerciait Dieu d'être si malade parce que franchement, avoir de façon naturelle... Non, la souffrance est la vraie nature du chrétien et avoir... ce qu'on désire sans être obligé de le demander. Enfin bon, il remercie le bon Dieu de souffrir le martyr. Enfin, il est bien gentil, mais bon, hein. Ce genre de christianisme, je lui laisse. Donc, il accuse, dans ses provinciales, il accuse les jésuites d'accommoder leur morale avec les cas de conscience. Ben, un cas de conscience, c'est par définition quelque chose qu'il va falloir résoudre. Un cas de conscience, c'est par définition quelque chose qui n'est pas simple à régler. Donc, il les accuse d'accommoder leur morale avec leur cas de conscience, leur morale pure pour les uns et frelatée pour les autres. Alors, Pascal était un scientifique qui n'y connaissait rien, ni en théologie, ni en morale. Donc, il s'est improvisé moraliste pour les besoins de la cause. Il a passé quelques semaines à écrire ses provinciales sur une documentation toute mâchée qu'on lui donnait, qu'il ne vérifiait pas. Alors, vous avez les camarades jansénistes qui étaient derrière, qui disaient « Tenez !» Toc, 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 il lisait, il écrivait, il mettait ça à sa sauce parce qu'il avait également du génie de l'écriture, et il a sorti des provinciales absolument brillantissimes, mais dont il ne maîtrisait absolument pas le fond. Il n'en maîtrisait absolument pas le fond. Ses citations sont malhonnêtes, tronquées et arrangées pour le besoin de la démonstration. Toutes les sources de ses citations, c'était Arnaud. Celui qui avait déjà voulu en 1594, avoir l'interdiction des jésuites de l'université. Donc, il ne peut, et également certains jésuites, mais il ne peut pas en vérifier l'authenticité. Il y a des jésuites qui disent, voilà, il y a ça chez nous, mais il ne vérifie rien. On lui donne des feuilles toutes mâchées et il les rédige. Et impossible de savoir ce qui est vrai, de différencier ce qui est vrai de ce qui est faux dans la documentation qu'on lui donne. Donc, même des anti-jésuites le reconnaissent. Alors, vous avez un certain Lançon, qui n'était pas du tout ami avec les jésuites, qui dit « Pascal est un avocat. L'avocat d'une grande cause, enfin, mais un avocat. Il porte dans sa citation, comme dans son argumentation, le désir de laisser le moins d'avantages possible à ses adversaires. » C'est-à-dire que ce n'est pas une démonstration. C'est un pamphlet. C'est un pamphlet. C'est pas une démonstration. C'est une attaque. Pascal fut certainement sincère, mais de toute façon mal informé et objectivement partial. C'est le milieu qui voulait ça, on n'y échappe pas. Donc, c'est peut-être pas la peine non plus de le reprocher à Pascal outre mesure, mais ça n'en fait pas une référence. Ça n'en fait pas une référence. Alors, Pascal ignorait ce que c'est que la casuistique, et il a cru que c'était les jésuites qui l'avaient inventé. La casuistique, c'est quoi? C'est l'étude des cas de conscience. Et alors, faut pas les étudier, les cas de conscience? Quand vous avez un cas de conscience, qu'est-ce que vous faites? Vous asseyez dessus? Alors, La casuistique, c'est l'étude d'un cas de conscience quand deux solutions semblent également irrecevables et qu'il faut trancher. Ben voilà, c'est ça la casuistique. Est-ce que les jésuites ont été les maîtres en casuistique? Je ne sais pas. Mais un, ils ne l'ont pas inventé. Deux, et alors? Et alors? C'est pas bien d'essayer de résoudre des cas de conscience? Pascal était mathématicien et la morale, c'est pas de la géométrie. Il n'y connaissait rien. Donc il a été utilisé pour porter le fer dans le combat contre les jésuites. Pas du tout, au titre qu'il était tant soit peu compétent. Et ce qu'il dit du tyrannicide n'est que reprise des précédents mensonges. Alors, qu'est-ce que c'est le tyrannicide? Le tyrannicide, c'est le droit qu'on aurait, le droit moral qu'on aurait de détruire, de tuer un tyran. Hein, c'est ça le tyrannicide. Alors, on attribue la théorie du tyrannicide aux jésuites. C'est-à-dire que les jésuites sont partisans de dire « il est licite de se débarrasser par la force d'un tyran ». Donc, les jésuites sont des tueurs de rois. Vous suivez le raisonnement? Puisque les rois... Voilà. Or, la théorie a cours depuis longtemps, bien avant qu'il y ait eu des jésuites.
On a même, tenez-vous bien parce que la référence est intéressante, on a même une longue apologie du meurtre prononcée le 5 mars 1408 par un maître en théologie de la Sorbonne, Jean Petit, qui a justifié l'assassinat de son cousin par Jean sans peur au cours de la guerre de Cent Ans. Alors est-ce qu'on a supprimé l'université au titre qu'elle était régicide ? Et je vous assure, je l'ai lu, hein, l'apologie de Jean Petit, c'est un appel au meurtre. Il fallait s'en débarrasser, donc il fallait le tuer. C'est pratique, c'est pratique. Même Jean Bodin, alors, on n'a jamais accusé l'université de régicide, mais on va le faire avec les jésuites, et un certain Jean Bodin, qui est un grand penseur du XVIe siècle, qui est une référence habituelle en matière de sciences politiques, il y fait référence au tyrannicide. Il y a également une revendication calviniste, dite et redite. Donc, le XVIe siècle, période de sang et de meurtre, tout le monde trouve légitime qu'on se débarrasse d'un tyran par la force. On n'a pas besoin des jésuites pour ça. D'accord ? D'autre part, si les jésuites prêchent le tyrannicide, donc le régicide, pourquoi est-ce que les rois les prennent comme confesseurs ? Bonne question. Parce que sinon, ils en auront trop peur, ils préfèrent les avoir à l'œil. Alors attendez, les rois de France sont tellement bêtes, ils sont tellement cloches, ils sont tellement imbéciles, qu'ils se servent comme gardes rapprochés de gens qui veulent leur mort. Pas bête, hein ? L'argument va revenir comme une scie à travers l'histoire. Les jésuites ont assassiné Henri III, assassiné Henri IV, et ils ont almé le bras de Châtel, de Ravaillac et de Damiens. Ça n'arrête pas. Et c'est les régicides et les tueurs de rois. Les brigands, tueurs de rois. C'est pareil, les tout premiers arguments. Saint-Simon, la pire langue de vipère des mémorialistes de son siècle, surenchérit. La chaise, le propre confesseur de Louis XIV, lui aurait conseillé de toujours prendre un confesseur jésuite pour éviter le pire. Alors, un jésuite conseille au roi de se méfier des jésuites. Bref, deux jésuites qui s'appellent Soares et Bellarmin se sont exprimés sur le tyrannicide. Ce sont les deux seuls jusqu'à ce qui va venir. Ils ont condamné toute entreprise individuelle dans le cas d'un roi légitime. Donc, les deux jésuites qui s'expriment sur le sujet disent « Il est rigoureusement interdit de s'en prendre au roi ». D'accord ? Et ils ont opposé une quantité de conditions drastiques dans le cas d'un usurpateur violent. Vous avez un tyran qui renverse le roi légitime. Si vous voulez aller lui faire la peau, on vous donne une liste des conditions que vous devez remplir. Personne n'y arrive. Donc, c'est cette doctrine-là qui est celle de la compagnie. Et il n'y en a pas d'autre. À la même époque s'exprime l'espagnol Mariana, Juan de Mariana. Il écrit sur le roi et les institutions royales et il justifie le régicide dans des conditions précises et également drastiques. Son livre reçoit toutes les autorisations de publication, y compris du roi d'Espagne. Le roi d'Espagne l'a lu, hein. Il l'a fait lire par ses conseillers et il a dit « Je suis d'accord avec le livre de Juan Mariana, je lui donne le privilège de l'impression, il va pouvoir le publier. » Donc. Et le roi de Mariana lui dédicace au roi d'Espagne. La compagnie, la première, crie au loup après la publication. Vous en avez qui lit ça, qui dit « Oulala, qu'est-ce qu'il y a là ?» Le provincial de France, le premier, le dénonce l'année de sa parution, en 1599. Il écrit immédiatement au général Acquaviva, qui s'appelle Acquaviva à l'époque, qui le félicite de sa vigilance. Et il demande que soit corrigée la prochaine édition. Il faut retirer ça de la prochaine édition. Mais les précédentes éditions circulent déjà, et les protestants alertés de l'entreprise les impriment et les font circuler pour nuire à la compagnie tueur de roi. En Allemagne, un pamphlet protestant fit du livre de Mariana l'enseignement officiel des jésuites qui ne réussirent pas à se justifier. On ment, on répand le mensonge et les jésuites se débattent, ils essayent de se justifier et ça ne passe pas parce que les autres sont plus nombreux et plus organisés. Les gens qui voulaient savoir savent. Le reste est de la propagande diffamatoire. Le seul texte, c'est celui de Mariana. Mariana, dans les conditions que je vous ai dites. On leur a mis sur le dos tous les attentats contre le roi. Alors, Henri III. Personne n'a imputé le crime aux jésuites au moment où il s'est produit en 1589. Le roi Henri III a été assassiné par un certain Jacques Clément, qui était un moine jacobin et pas un jésuite. Alors, on n'a pas interdit les jacobins. Hein. Bon, on a interdit les jésuites. Alors jacobin, il y a des gens qui ne savent pas. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un jacobin ? Jacobin, c'est celui qui répond. Le jacobin, c'est l'adjectif qui va avec Jacques. Voilà. François franciscain, Jacques jacobin. Voilà. Donc ce sont les religieux de Saint-Jacques, du couvent de Saint-Jacques.
Donc, c'était un moine jacobin et pas un jésuite, et il ne fréquentait pas de jésuites. Donc, les jésuites ont été absolument hors de cause dans la mort de Henri III. En 1594, un jeune homme qui s'appelle Jean Châtel attente à la vie d'Henri IV. Il a 19 ans et il a été élève des jésuites au Collège de Clermont. Le Collège de Clermont, c'est l'actuel Collège Louis le Grand, lycée Louis le Grand à côté de la Sorbonne. À côté du Panthéon, pardon. Oui, à côté du Panthéon et de la Sorbonne, c'est entre les deux. Donc, ce jeune homme a 19 ans, il a été élève des jésuites et il s'en prend au roi. Pourquoi ? C'est une autre histoire. Immédiatement, le Parlement fait perquisitionner au Collège de Clermont, au Collège des jésuites, et on arrête immédiatement deux professeurs. Il y en a un qu'on a torture abominablement, puis on le relâche. Je ne sais pas dans quel état, mais absolument abominable. Et on prend le second et on le pend. Allez, puis après on discute. Le Parlement se tourne vers la compagnie dont il confisque tous les biens et il les exile. Allez, hop ! Confiscation de tous les biens. Vous faites comment pour faire tourner vos écoles quand vous n'avez plus rien ? Or, le jeune Châtel, Jean Châtel, malgré des tortures insoutenables et un chantage sur sa famille, vous voyez, jeune homme, votre famille, là, on les tient. Si vous n'avouez pas que c'est des jésuites, on les tue tous. Il n'a jamais voulu dire autre chose qu'il avait agi seul et que les jésuites n'étaient pas en cause. Il n'a pas voulu, aux portes de la mort, partir sur un mensonge. Donc, il a refusé de mentir. Il a toujours dit qu'il avait agi seul. On n'a jamais réussi à incriminer les jésuites dans l'affaire de son attentat contre Henri IV. Donc, la seule charge contre les jésuites est qu'il avait été leur élève 7 mois avant l'attentat. Et ça a suffi pour prendre tous leurs biens et les exiler, tuer le bibliothécaire. Le père qui a été exécuté, le père au collège Louis le Grand, il a été exécuté pour possession de livres interdits dans la bibliothèque du collège. Or, il était conservateur de la bibliothèque. Si vous connaissez des conservateurs qui brûlent les livres, vous me dites lequel. Enfin, maintenant, on peut s'attendre à tout, mais à l'époque, c'était quand même sérieux. Donc, il a été tué pour avoir dit, comment ça ? Ce sont des livres interdits. Hop ! Pendu. C'est son seul crime. La compagnie tout entière a été frappée pour des actes dont elle n'avait aucune responsabilité. Aucune. Et au début du procès qui s'est tenu, le procès de Jean Châtel, tenez-vous bien, le doyen des juges du Parlement, Étienne de Fleury, s'est exclamé, avant que personne ait été entendu, ça, il a dit à l'ouverture des débats, qu'attendons-nous davantage ? Quelle autre preuve voulons-nous contre cette secte empoisonnée ? Le jugement n'était pas fait, qu'il était déjà réglé. Quand il s'agit des jésuites, on condamne avant d'avoir entendu. Henri IV s'est dit choqué. Il a dit « Faut-il que tous les apôtres pâtissent pour Judas ?» Bonne question. « Ou que je réponde pour tous les larcins et toutes les fautes que feront à l'avenir mes soldats ?» Mais c'est la sagesse même, Monseigneur, Majesté. Les jésuites ont été condamnés et chassés sans avoir été entendus pour une tentative de meurtre à laquelle ils n'ont pris aucune part. Le roi les fait rappeler en 1603 et il choisit parmi eux son confesseur, le père Coton. Et Henri IV était très autoritaire quand il avait décidé quelque chose. Après avoir mûrement réfléchi, hein, comme de catholique ou protestant, il a mûrement réfléchi, puis quand il est devenu catholique, c'était pour de bon. Et là, il a fait revenir les jésuites et il a pris un confesseur jésuite, le père Coton. Connaissez-vous le juron Jarny Coton ? Oui. Vous savez ce que ça veut dire ? Eh bien, les gens très vilains qui reniaient Dieu, Henri IV faisait partie des gens qui juraient comme des chartiers, quand ils disaient « Jarny Dieu », le père Coton lui disait « Allez, majesté, dites Coton à la place. » Alors, Jarny Coton. Voilà. 15 ans plus tard, nouvel attentat contre le roi, et cette fois-ci, l'attentat est réussi, et Henri IV va mourir. Alors, la campagne diffamatoire recommence, l'université et le Parlement, la main dans la main. Et ça recommence. Les jésuites répliquent, mais également par écrit. Et là, cette fois, ils réussissent à éviter l'exil. Ravaillac ne les a jamais mis en cause. Jamais. Et je ne vous raconterai pas ce qu'on a fait subir à Ravaillac pour lui faire dire le contraire de ce qu'il voulait dire. Mais c'est, écoutez, c'est insoutenable. Et ces gens avaient une imagination dans l'atrocité. Enfin bon. Alors, il ne les a jamais mis en cause. Les jésuites n'étaient pour rien dans l'attentat de Ravaillac. On ne va pas refaire ici l'attentat de Ravaillac. Hein, il avait ses raisons. Mais les jésuites n'ont rien à y voir. Et le prétendu grand historien Michelet... Vous savez ce que c'est qu'un grand historien ? Michelet, c'est un grand historien. Je ne sais pas combien il mesurait. Ouais. Mais j'ai vu à Dijon une plaque. Michelet, grand historien.
Tout ce que raconte Michelet, c'est des âneries. Vous pouvez pas vous imaginer, c'est monstrueux. C'en est comique, hein. Faudrait faire un florilège. J'avais commencé d'ailleurs un temps. Et alors, il écrit qu'ils étaient au courant du projet, mais qu'ils ont laissé s'accomplir. Alors, monsieur Michelet, grand historien, comment savez-vous si c'était secret, qu'ils étaient au courant? Qui c'est qui vous l'a dit? Enfin, je veux dire, c'est marqué où? Vous savez, quand il s'agit des jésuites, on balance un truc, et puis ça passe. Hein? Donc, ils étaient au courant du projet, ils l'ont laissé s'accomplir. Michelet était un grand malade, et je vous assure que les gens qui le suivent, ce sont simplement des ignorants. Suivre, croire Jules Michelet, c'est consternant, c'est confondant, c'est confondant. Mais enfin, au début, quand on ne sait pas, avant de savoir, on ne sait pas, donc... Errare humanum est, hein. Mais Michelet est rien moins qu'une référence. Donc pour Michelet, bien sûr, les jésuites étaient derrière l'attentat de Ravaillac, puisqu'ils les soutenaient secrètement. Alors, comme Châtel, Ravaillac va subir les pires tourments qui ne le feront jamais dévier de ses déclarations. Il a agi seul, et il l'a fait parce qu'il a cru que le roi voulait faire la guerre au pape. Jamais il n'a été reconnu avoir été induit à son acte par quiconque, encore un coup pour rien. Donc là... On a essayé encore d'incriminer les jésuites et on n'a pas pu. L'attentat de Damiens contre Louis XV, janvier 1757. On fait un bond au siècle suivant. Robert François Damiens avait passé 18 mois chez les jésuites et plusieurs années chez les jansénistes. 18 mois, plusieurs années. Hop, il a été chez les jésuites, donc c'est un coup des jésuites. On ne va pas aller chercher les jansénistes. Dès les premiers interrogatoires connus, parce que je suis allé voir suffisamment profond dans le dossier d'Amiens pour savoir qu'il y a les interrogatoires connus et les interrogatoires cachés. Donc dès les premiers interrogatoires connus, on le harcèle pour savoir qui l'a induit à son acte. Alors vous avez là quelqu'un qui vient de commettre un meurtre, un assassinat, et vous lui dites « qui vous a forcé à le faire ?» Est-ce que la bonne question, ce n'est pas d'abord « pourquoi ?» Non, la question c'est qui vous a poussé à le faire. C'est-à-dire qu'en fait, dès le début du procès de Damiens, on essaye d'incriminer les jésuites. Les juges ont demandé à Damiens s'il avait jamais entendu enseigner qu'il y ait des cas où il est permis d'attenter à la vie des souverains. Mais ça n'a rien à voir avec l'enquête, ça. C'est un harcèlement pour lui faire dire les jésuites. Et avec son gros bon sens, Damiens va dire « Comment on pourrait dire une chose pareille ? Bon, n'importe quoi, bon. » Un pamphlet de 35 pages, signé Grolet, avocat à Troyes, janséniste et collaborateur de Diderot à l'Encyclopédie. Alors retenez bien ça. Diderot et l'Encyclopédie, c'est pas des cubénis, hein, on est d'accord. Donc leurs arguments sont pas franchement théologiques. Eh bien, il y a un monsieur qui est avocat janséniste et qui collabore à l'Encyclopédie. Bon, moi je vous le démontre par A plus B, mais une autre fois, la collusion entre les Lumières et le jansénisme, alors là... Dans les grandes largeurs, mais ça sera l'objet d'une autre fois, si vous voulez. Donc ce Grolet, ami à la fois des jansénistes et de Diderot, a écrit une réflexion sur l'attentat commis le 5 janvier contre la vie du roi. Les Nouvelles Ecclésiastiques, qui sont la publication des jansénistes, dirigées par un certain Lepège, reprennent les arguments de Grolet et le font circuler abondamment. Donc les réflexions sur l'attentat circulent, et tout le monde en a sa copie. Il dit... S'il est vrai, comme on l'assure, que le coupable est né et a vécu dans une basse condition, il est évident par cela même qu'il est l'émissaire d'ennemis secrets qui lui ont communiqué leur folie, car un homme sans nom et sans valeur dans la société ne peut avoir éprouvé aucune sorte de ressentiment personnel qui ait pu l'armer contre le roi. Ah bon ? Un roi qui couche avec les petites filles, par exemple. Vous avez entendu parler de ça ? Parc aux cerfs. Ça se dit à l'époque ? Louis XV. Hein ? Bon, enfin bref, s'il est vrai qu'il est né, bon, donc CQFD, donc il a forcément été induit par les autres. C'est vraiment prendre les gens du peuple pour des imbéciles. Donc, pourquoi est-ce qu'on sait que, puisque c'est forcément quelqu'un, qui sait ? On va vous expliquer pourquoi c'est les jésuites. Si la procédure se termine à punir l'assassin sans lui trouver de complice, le public à qui on ne persuadera jamais qu'un homme de condition servile se soit déterminé par malice propre à enfoncer le poignard dans le sein de son roi, croira qu'on aura fermé volontairement les yeux pour ne point voir ses complices. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution que de trouver des complices, parce que si on n'en trouve pas, le peuple, on ne pourra pas croire qu'il n'y en a pas. Moins il y aura, écoutez le raisonnement, moins il y aura de marques de complot, moins il sera aisé d'en découvrir les traces, ou de les suivre jusqu'à leur source, plus on doit craindre que ce ne soit l'ouvrage de gens profonds en malice. Moins on trouve de traces de complot, plus c'est la preuve que c'est un complot diabolique. Je traduis, mais enfin c'est ça que ça veut dire. Il faut sans doute des preuves pour le leur imputer. On parle des jésuites. Hein. Mais en faut-il pour les insoupçonner ?
Leurs forfaits anciens et nouveaux ne sont-ils pas suffisants pour donner lieu à des soupçons? Alors, leurs forfaits lesquels? Jean Châtel? Néant? Henri III? Néant? Rien. Quel forfait? Les forfaits, c'est-à-dire les calomnies qu'on reprend, puisqu'on les calomnie, c'est donc forcément qu'ils sont coupables. Peut-on même s'empêcher d'en concevoir contre des hommes toujours assez méchants pour commettre les plus grands crimes et toujours assez puissants pour les couvrir et en obtenir l'impunité? C'est pas beau, ça. Aussi, je le dis avec sincérité, je ne les crois pas coupables de l'assassinat du roi, mais je crains qu'ils ne le soient. Pas beau. Eux seuls, écoutez bien, eux seuls, s'ils sont coupables, peuvent entreprendre de dérober leurs crimes au regard ou à la sévérité de la justice. Eux seuls peuvent y réussir. À quel autre usage sont destinées leurs richesses immenses qu'à acheter par les voies directes ou indirectes l'impunité de leurs crimes et à recueillir sans obstacle le fruit qu'ils en attendaient? Non mais voilà pourquoi, monsieur, votre fille est muette. C'est paranoïaque. C'est un raisonnement paranoïaque. Ça tourne en rond, ça fait les questions, les réponses et les commentaires. C'est monstrueux. Et c'est ça dont on s'est servi contre les jésuites à propos de l'attentat de Damiens. Moi, j'appelle ça la preuve par l'absence de preuve. La preuve que c'est eux, c'est qu'on ne trouve aucune trace que c'est eux. Et seulement eux sont assez malins pour cacher les preuves. Alors, je vais vous donner un autre exemple de preuve par l'absence de preuve. C'est quand le peuple est entré aux Tuileries, enfin le peuple, l'émeute, hein, est entré aux Tuileries en juin 1792. Hein, 12, juin, juin, là, là. Bon. On n'a pas trouvé tous les meubles d'or et d'argent. Parce que le roi avait dépensé l'argent du peuple en meubles d'or et d'argent. Donc on ne les a pas trouvés. Donc c'est bien la preuve que le roi est immonde, parce qu'il a vendu les meubles d'or et d'argent pour les faire disparaître. C'est la preuve par l'absence de preuve. La preuve que le roi est abominable, c'est qu'on n'a pas retrouvé les meubles d'or et d'argent. C'est ahurissant, c'est ahurissant. C'est, vous savez, c'est la mauvaise foi, c'est la méchanceté, c'est la vilenie, quoi. Alors, conclusion. Écoutez bien, je reprends la prose de Crowley. S'il était vrai que les jésuites eussent ajouté à leurs anciens forfaits celui d'armer un nouveau scélérat contre la vie d'un si bon prince, il serait temps que cette société née pour la destruction, comme on le présagea dès son berceau, fût enfin réduite à l'impuissance de nuire. Et la calomnie va s'amplifier. C'est par principe qu'elle a appris aux sujets à tuer leur roi. Du crime le plus abominable, elle en a fait l'action la plus héroïque et la plus méritoire devant Dieu, une obligation même en certaines occasions, et ces occasions sont toujours celles où son intérêt demande qu'un saint se presse de vivre, qu'un prince cesse de vivre. Où ont-ils été chercher ça? Mais où trouve-t-on que les jésuites ont fait du crime le plus abominable l'action la plus méritoire devant Dieu? Mais sortez les textes! On balance des choses comme ça, personne ne peut vérifier. Je veux dire, il n'y a pas Internet à l'époque. Dites-vous bien qu'Internet a changé les choses. Parce que maintenant, quand quelqu'un vous balance une calomnie, toc, vous remontez la source. Ah, ah, ah. Hein, comme pour l'histoire du truc retrouvé à Utrecht. Donc c'est sans arrêt, ce genre de diffamation. Mais c'est distribué dans la rue. Donc les gens le croient. Et pourquoi ils ne le croiraient pas? Pourquoi est-ce que les gens ne croiraient pas le mensonge? Le mensonge, il est fait pour être cru. Il sert à ça. La compagnie de Jésus a été supprimée dans l'ordre au Portugal, en Espagne, à Naples, à Parme et en France. Toutes des monarchies bourboniennes, puis à Rome même. Au Portugal, c'est un psychopathe franc-maçon appelé Pombal qui s'était emparé du pouvoir après le tremblement de terre de 1755. Pardon ? C'est un pléonasme. Donc Pombal avait pris un ascendant total sur le nouveau roi Joseph Ier. Mais vous savez, le tremblement de terre de Lisbonne en 1755, ça a été vraiment terrible, terrible, terrible. Ça a été un tremblement de terre, la mer s'est vidée, et ensuite il y a eu un raz-de-marée suivi d'un incendie. C'est monstrueux. Donc c'était le moment, les gens étant en position de faiblesse, de sortir l'artillerie lourde et d'imposer une dictature. Donc, Pombal, qui a pris le pouvoir à ce moment-là, par l'intermédiaire de l'ascendant qu'il avait sur le roi, il a pris prétexte d'un attentat contre le roi pour l'imputer aux jésuites. Alors, comment il l'a fait? Eh bien, dans la famille de la personne qui avait commis l'attentat, il y avait une dame qui avait un jésuite comme confesseur. Et hop, on va arrêter la compagnie de Jésus. Bah, écoutez, hein, tout est bon. Alors, Pombal a détruit tout le système d'enseignement des jésuites, qu'il a remplacé par rien. Rien, on commence par détruire et puis après on verra. Il était cruel, vénal, sadique, sans scrupules. Il est l'idole des gens des Lumières qu'il a promu à travers toute l'Europe. Pombal était un hystérique, mais c'était un cinglé. Il était d'un sadisme, mais ce qu'il a fait subir aux gens, c'est hallucinant. C'est atroce. Il s'est déchaîné contre les jésuites qui empêchaient la mise sous tutelle des populations au Paraguay.
Eh, vous avez entendu parler des réductions Guarani ? Au Paraguay, vivait une population de natifs, enfin, ils appelaient les Guarani, que les jésuites ont rencontrés, que les jésuites ont christianisés, et tout en respectant leur culture et leur mode de vie, ils ont réussi à les mettre pendant 2 siècles à l'abri des chasseurs d'esclaves. Parce que la ruée sur le Nouveau Monde, ça a été le rapt de populations entières, leur réduction en esclavage, ou leur massacre, enfin, pardon ? Oui, il y a un film magnifique que je vous recommande. Un film magnifique que je vous recommande, qui s'appelle Mission. Oh, c'est éblouissant, éblouissant, éblouissant. Mission, ça se trouve sur Internet. Hein. Vous rentrez ce soir, vous faites Mission, vous trouvez ça sur n'importe... C'est magnifique, magnifique, magnifique. Et donc, Pombal était pour... qu'est-ce qu'ont fait les jésuites ? Les jésuites ont pris les armes. Ils ont pris les armes au Paraguay pour défendre les Guarani. D'où l'intérêt de les faire passer pour des... Alors, Diderot les a fait passer. Diderot a raconté dans l'encyclopédie que ils veulent nous. Comment peut-on nous faire croire? Comment veut-on nous faire croire qu'ils soient allés s'occuper de ces populations par pure générosité? Évidemment, pour faire de l'argent, ça aurait été mieux. Non, mais ces gens comprennent de rien à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Avoir une vocation, vouloir faire le bien, vouloir partir en mission, c'est ils sont cinglés les mecs. Qu'est-ce qui est bien? C'est de voler son voisin. C'est de. Vous voyez, ça c'est des vraies valeurs. Ça c'est des vraies valeurs. Enfin bref. Donc. Ils se déchaînent contre les jésuites à cause du fait qu'ils ont pris parti, parce que le roi du Portugal revendiquait la souveraineté chez les Guarani. Et aussi longtemps que les Guarani continuaient de résister, et surtout qu'ils étaient christianisés, on ne pouvait pas les réduire en esclavage à partir du moment où ils étaient chrétiens. Donc il fallait se débarrasser des jésuites, et bon, ils ont mis la gomme. Donc Pombal, il a créé de véritables officines de traduction et de diffusion dans toute l'Europe, de toute la littérature inspirée des pamphlets jansénistes contre les jésuites. Genre celui de Grolet. Alors, j'ai pas regardé spécialement si c'est ça, mais Pombal a fait traduire dans toutes les langues européennes tous les pamphlets anti-jésuites et il les a fait distribuer. C'est un grand militant, ça. C'est un grand militant de la cause. Et il a fait arrêter 1500 jésuites et confisquer tous leurs biens. Alors, il a concocté un tribunal d'inquisition. Vous savez, c'est la faute de l'inquisition. C'est l'inquisition qui a tué les jésuites. Vous savez qui il a mis à la tête du tribunal d'inquisition ? Son petit frère. Et puis un religieux véreux à sa dévotion. Alors on appelle ça tribunal d'inquisition. On lui dit, allez, vas-y, tu fais comme je te dis. Le tribunal d'inquisition, tel que concocté par lui, a jugé et condamné le provincial. Le provincial, c'est le responsable d'un pays, hein, le responsable jésuite d'un pays. Il était vieux, il avait perdu la raison. Il a été accusé d'avoir inspiré l'attentat contre le roi. Il a été condamné à être étranglé et brûlé le 21 septembre 1761. Que disait l'Église à ce moment-là ? Vous savez, le temps que... L'Église... alors là, je ne sais pas pour le coup. Ah, je ne sais pas pour le coup. Le temps... Vous savez, ce genre de truc, ça va vite. Hein. Ça file vite. Hein. Le temps que l'information que le jésuite a été arrêté arrive jusqu'à Rome, qu'on réagisse et que le truc revient, le gars était déjà mort. Hein. Je sais que Voltaire s'est prononcé sur la mort de Malagrida, mais après coup. Pour concocter un tribunal, arrêter le père, lui faire un procès public infamant et l'exécuter, là où il n'y a pas le téléphone, c'est quoi ? C'est à la vitesse d'un cheval au galop. Hein. Donc, il y a combien de Lisbonne à Rome ? Je ne sais pas. Et de toute façon, l'Église elle-même, elle était terrorisée. Elle était terrorisée. La dictature de Pombal, c'est une horreur. C'est une horreur. Alors, les jésuites ont été traités abominablement, enfermés dans des trous pleins de rats, affamés, maltraités, torturés pendant 18 ans. Il y a des gens qui allaient voir Pombal en disant « Vous voulez pas les libérer ?» Non, 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 non. Mais un sadique, mais c'est atroce, atroce. Et il y a des gens qui admirent Pombal. Regardez Pombal, cherchez Pombal sur... Pardon ? Évidemment qu'il était franc-maçon, Pombal. Évidemment qu'il était franc-maçon. Il voulait détruire le catholicisme. Donc, détruire les jésuites et détruire le catholicisme, pour certaines personnes, c'était la même chose, c'était pareil au même. Et une fois que les jésuites auraient disparu, c'était plus facile de s'en prendre à l'Église. Donc, le but, c'était de se débarrasser des jésuites pour pouvoir ensuite faire tomber tout l'édifice derrière. Voilà pour Pombal. Alors que les jansénistes leur reprochaient leur morale relâchée, les jansénistes disaient toujours, les jésuites, ils ont une morale relâchée. Par exemple, ils n'interdisaient pas aux gens de danser le dimanche. Oui, danser. Les jansénistes, ils voulaient interdire aux gens de danser le jour où ils avaient reçu le corps sacré de notre Seigneur. Mais si tu danses pas le dimanche, tu danses quand ? Tu travailles la semaine, le dimanche, tu fais la fête. Bon. Entre autres. Donc, ils disaient qu'ils avaient une morale relâchée. Donc,
En fait, on leur reprochait une morale relâchée, mais si on y regarde un petit peu près, on verra que les jésuites ont été impitoyables pour Louis XV tant qu'il a été avec Madame de Pompadour. On n'a pas vu le roi communier une seule fois pendant tout le temps où il était avec la Pompadour. Donc, il n'avait pas l'absolution. Donc, la morale relâchée, c'est quoi? C'est quoi? C'est encore des mensonges. Donc, la Pompadour, elle a fini par se sentir menacée, parce qu'elle voyait que les jésuites de l'entourage de Louis XV, pardon, étaient extrêmement fermes. Louis XV voulait absolument faire valider sa liaison avec la Pompadour, alors pour une raison très simple. La Pompadour, elle était à coquiner avec les milieux financiers, et les milieux financiers, ils payaient. Et Louis XV, il n'avait pas d'argent, il avait une dette qui se creusait, qu'elle contribuait à faire creuser, et les financiers, ils envoyaient l'argent. Donc le roi était comme ça, les pieds et poings liés, et il ne pouvait pas se passer d'elle. Pas sur le plan de ce que vous avez compris. Là, elle pourvoyait, elle amenait les petites filles, enfin bref. Donc, la Pompadour, quand elle a senti vraiment qu'elle était menacée parce que les jésuites ne cédaient pas, elle a voulu jouer le jeu de la dévotion. Alors elle va voir le père confesseur, puis lui dit, vous savez mon père, il ne se passe plus rien de mal entre le roi et le moi. Mais dit, très bien madame, retournez à votre mari maintenant. Alors. Et tous les enfants qui étaient dans le lit de Louis XV. Ben oui, là c'est son frère qui mettait les enfants dans le lit de Louis XV. Oui, oui. Ben. Donc alors elle allait voir le roi, puis elle chouinait dans son giron, mais il n'est pas gentil avec moi. Alors le roi il est gentil, il en appelle au pape, le pape dit non, non. C'est non. Vous avez une femme, vous n'avez pas besoin d'une maîtresse. Allez-y. La rigueur, le laxisme des jésuites, il faut arrêter de rigoler. Ils étaient extrêmement rigoureux là-dessus. Ils ont été extrêmement fermes. Donc le pape ne cède pas. Louis XV envoie par l'intermédiaire de son ambassadeur à Rome, Choiseul, pour supplier que le pape dit non, les jésuites disent non, tout le monde dit non. Donc la Pompadour, elle dit bon, maintenant on va s'en prendre aux jésuites, puisque c'est eux qui empêchent. Donc elle fait nommer Choiseul comme principal ministre en 1758. Alors. Garder la place de la Pompadour à la cour, c'est très important pour toute la secte de la finance qui règne sur le roi derrière elle. Elle a un entresol dans lequel elle reçoit tous les gens de l'encyclopédie et autres. L'entresol est juste à l'étage au-dessous. Le roi dîne au-dessus. De temps en temps, on fait des échanges. Le roi descend ou les gens montent. Voilà. Et l'encyclopédie est rentrée dans les lumières sont rentrées dans l'entourage du roi, comme ça, par l'intermédiaire de la Pompadour. C'est comme ça. C'est quasiment, on peut quasiment géographiquement le situer. Vous savez, les petits appartements, l'escalier qui va de l'un à l'autre. Et voilà, et c'est comme ça que l'osmose a pris entre les gens des Lumières et le roi. Alors, qui est la secte qui règne sur le roi derrière la Pompadour? Alors, vous avez l'encyclopédie, Voltaire et consorts. Voltaire adorait Choiseul. Vous avez les financiers. Alors les financiers sont eux qui... Le roi fait des cadeaux somptueux à la Pompadour, mais comme il n'a pas l'argent, il l'emprunte auprès des financiers, puis après, une fois que la dette est... Après il faut rembourser. Et qui étaient les financiers? Non, pas du tout, alors là, pas du tout. Les frères Paris, alors là, pas du tout. Alors là, pas du tout. Ah non, ça c'est après. Ça c'est à ce moment-là, non, pas encore. Pas encore. Donc les financiers, les physiocrates, alors c'est quoi les physiocrates? Les physiocrates, aujourd'hui, on dirait les économistes. Ce sont des gens qui ont des théories absolument extraordinaires. Ils disent, par la science, on va comprendre que la circulation des marchandises se fait comme la circulation du sang dans le corps. Vous voyez, la marchandise doit circuler librement. Si vous avez un caillot dans le sang, le sang va plus. Et c'est pareil pour la marchandise, si vous mettez des polices, des contrôles, tout ça. Alors, ils expliquent au roi que la nature, une fois que la nature sera au pouvoir, tout le monde va s'enrichir et le roi le premier. Et on va supprimer tout le contrôle des prix sur les subsistances, supprimer la police des grains. En fait, on va empêcher le roi de contrôler que les marchands ne se mettent pas plein ne se fassent pas des bénéfices indus sur le commerce du grain. La tâche première de la royauté a toujours été de s'assurer que le peuple mangerait et ne serait pas empêché, que la subsistance du peuple ne serait pas accaparée par des gens mal intentionnés. Et la législation, elle remonte aux Romains ou même aux Grecs. Hein. Toute autorité qui se respecte fait en sorte que la nourriture ne soit pas accaparée par des gens mal intentionnés. Donc, la police des grains, la police du roi, la police des grains, c'était une institution absolument très 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 ancienne. On en trouve trace à Charlemagne, mais il n'a rien inventé Charlemagne, il a simplement mis noir sur blanc. Les physiocrates sont des gens qui disent « Arrêtez avec ça, laissez les blés circuler, arrêtez avec vos contrôles ». Ça va donner la Révolution française, hein, je vous la fais courte, mais c'est ça. Hein.
Vous avez les jansénistes également qui veulent absolument la mort des jésuites. Donc les tombeurs, les fossoyeurs des jésuites, ce seront les fossoyeurs de la royauté et du paternalisme royal. Et de l'Église. Enfin, admettons qu'on puisse faire l'équivalent entre les jésuites et l'Église. Les tombeurs des jésuites sont également les fossoyeurs de la royauté.